type de magasin comme ça, à l'époque, était de faire du troc avec les pêcheurs de morue. Donc, on change du poisson contre des marchandises par le passé. C'est ça que le Robin faisait. Il ne voulait pas que le meilleur pêcheur allait pêcher pour les deux boutiliers sur l'île Bonaventure. Moi, je m'appelle Violette. Je souhaite la bienvenue. Jusqu'à là, je les voyais, mais là, je ne les vois plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, madame? On va le tirer. Ben oui, on va le tirer, certain. On ne les voit pas plus, là. Hein? Oh! Wow! Ils ont fait des tiroirs basculants. Oui, avec les tables de multiplication. On a vu comme ça pour les appuis appris par cœur, là, madame, là. Il faisait la comptabilité dans les bureaux avec, et ce que vous voyez là, c'est le modèle de poche. Dans la famille de la reine, un gros poisson plat qui a été pris en arrière de l'île de Bonaventure en 1970, ses amis, vous n'avez probablement tout déjà mangé. Non. Macro. Non, un flétan. Un gros flétan de 400 livres, 200 kilos. Le petit garçon que tu devinez qu'est-ce que c'est? C'est vous. Oui. Petit bonhomme dans ce Il était-tu beau? Ben, moi, ça fera pas, mais quand j'étais petit gars, j'étais pêcheur, puis tout un pêcheur, un authentique, un vrai de vrai, vous l'avez devant vous autres? C'est comme ça que les gros barils de mélasse arrivaient en Gaspésie. Ils mettaient la pompe directement dans le baril, puis pompaient la mélasse en vrac 5 cents du galant en 1905. On avait un monsieur qui nous venait de l'île de Jersey, qui s'appelle Charles Robin. Lui était arrivé ici en 1766. Il est arrivé ici, il a dit aux non-pêcheurs de la de Passepébiac, « Vous allez aller pêcher pour moi, moi je vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre. » À ce moment-là, le monsieur est devenu le grand Manitou de la place. Alors, vous allez pêcher tout le long de la côte gaspésienne. Je vais vous créer des postes de pêche. Et ramenez-moi le poisson à Passepébiac, parce que c'est de Passepébiac qu'on va en faire notre plaque tournante. C'est d'ici qu'on part pour le circuit triangulaire de l'Europe, qu'est l'Espagne, le Portugal, le Brésil, les Antilles. Excuse-moi, Joséphine, là, j'étais juste en train de dessaler ma morue pour dîner, là. Encore chanceux d'en trouver de la morue, mon tapis. Oui, hein? Parce qu'aujourd'hui, là, elle est encore plus rare que dans le temps de mon défunt père. C'est là que les gens se sont vraiment fâchés, ils ont tassé le curé, ils ont défoncé les portes, ils se sont servis parce que ça les appartenait. Les gens avaient besoin de le sucre, le sel, la farine, la mélasse, le rhum, le whisky. Tout était dans le gros bâtiment. Si ça n'aurait pas été du curé, là, ça aurait été grave. Ah oui, ça aurait été grave. Sais-tu que c'est une vraie odyssée qu'on vient de raconter, Tophile? On va devenir des vedettes. Ah! Nous autres, on va paraître dans la gazette. Là. Paris Match, François, le gala. Michel Drucker. On va continuer de dessaler la morue et bonne visite tout le monde. Voilà! Wow. Thank you.
Alors ici, c'est vraiment la division, la Charles Robin et compagnie, les frères Le Bouclier Brothers. Ce bâtiment-là, habituellement, est plus beau que ça, là. Alors... Ça, ben, c'est 1824. Alors, c'est une peinture. Alors, Charles Robin et tous les bâtiments que je vous ai parlé tantôt, qui a brûlé, ben, c'est tous ces bâtiments, lui, ici. Malheureusement, vers la plage, il ne reste que ce petit bâtiment-là, que c'est un entrepôt de poudre de canon, qui est tout en pierre. Parce qu'il s'est fait attaquer par les corsaires américains, comme vous avez dit tantôt. Alors, c'est ça. Alors, le café nous vient du Brésil, l'Espagne et le Portugal, c'était le sel. Dans les barreaux blancs, c'était les tissus qui nous venaient d'Italie. Alors, on mettait ça comme ça dans les barreaux blancs, on mettait ça sur le bateau. Et là, le bateau partait plein et il revenait plein. Alors, quand il partait, avec des gros tonneaux comme ça, le bateau s'avait séché. Des gros tonneaux ici. Parce qu'il y avait on cassait tout ça, on brûlait ça, il y avait de l'huile de poisson dans ça. Mais il fallait toujours en refaire. Alors, quand j'ai dit tantôt qu'on payait avec le travail aussi, ben, j'ai fait 9 tonneaux aujourd'hui. Bon, mais tu vas me déduire ça de ma dette. C'était comme ça dans le temps. Parce que l'argent, la monnaie d'échange, ça existait. C'était la monnaie. Élève le foie pour faire d'huile de foie de morue. Et par après, on va la faire comme ça. Elle est devenue un filet. Alors, on va la mettre dans une soumure pendant 3 jours. Par après, on la met à l'extérieur pour la faire sécher. Et on dit que ça prenait 10 soleils, 2 semaines, 2 semaines et demie. Ensuite, on la ramène dans le bâtiment. On la presse. Ça va des presses à morue. Et là, on met 448 litres de morue salée et séchée dans ça. Ça prenait 2000 litres de morue fraîche pour faire 448 litres de morue salée et séchée. Et on met le couvercle, le seau de compagnie, et ça part pour l'Espagne, Portugal, Brésil, Antilles. Maintenant, j'ai 14 ans, mais j'écoute. Je t'aimerai. Une tasse, là. Anciennement, c'était la pêche côtière. Dès les années 50, j'ai salué la parole. Les pêcheurs sont comme découragés. Le chantier, c'est un filet qui est fait en genre d'entonnoir, qui est remorqué après le bateau, qui remorque tout ce portage. Et c'est ça la chaleur, la pêche. C'est ça qui a brisé. C'est ça qui a brisé la ressource. Ce qu'on a ici devant nous, c'est une barge de pêcheurs format réduit. Elle est 3 fois plus petite. Parce qu'à taille réelle, ça peut faire jusqu'à 11 mètres. Et pour en construire une, on va être 2 charpentiers et on va utiliser 3 types de bois précis. Il y aura du cèdre, du mélèze et du merisier, que l'on trouve dans les forêts locales, mais qu'on va choisir précisément pour leur longue durée de vie et pour des capacités spéciales qu'ils possèdent par rapport à nous. Regardez maintenant, ma tige, elle est bien carrée, pas pointue. Et en prime, je lui ai fait une encoche. Pour oui, exact. C'est proportionné aussi. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner, et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés, partis toutes les sarcelles. Et le soir, au son du violon, les filles, surtout les garçons. C'est Catherine, je vais être votre petite guide interprète. Leur histoire, ça commence en 1604. On est dans la région du Poitou. On a Samuel Deschamplain et Pierre Dugas Sudevon. Ce sont les deux hommes d'affaires, en fait, qui ont eu la mission de créer une nouvelle colonie française vers les terres du Nouveau Monde. Et Samuel Deschamplain, qui est un excellent cartographe, et explorateur, il s'est mis à évaluer les possibilités aux alentours. Et l'île tout près était vraiment le choix, la place ultime qu'il fallait se déplacer. C'était là, un jour, va devenir la Nouvelle-Écosse. Mais à ce moment-là, elle n'a pas encore ce nom-là. Alors, document officiel qui atteste que le roi de France cède définitivement les terres de l'Acadie en Angleterre.
Alors, l'Acadie devient une colonie anglaise. Et là, ça va plus changer. Mais, venu se cacher dans la rivière de Bonaventure, parce que il y avait encore beaucoup de conflits, hein. Puis les Acadiens, ils étaient un peu comme pourchassés, tu sais. Fait qu'ils sont venus ici, ils sont installés, ils se sont cachés, puis là, ils ont réalisé que c'était vraiment un bel endroit pour s'établir. Il y avait beaucoup de possibilités pour faire de l'agriculture, par exemple. Charles Robin, qui est un entrepreneur de la pêche à la morue, Jacques Cartier, Pierre Nadon, qui est un archéologue, et monsieur John Le Boutillier, qui a fait beaucoup affaire avec Charles. Lui, c'était plus comme un marchand et tout ça. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes sont y passées avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Au Québec, ah oui, oui, oui. Au Québec! Aux Acadiens! Aux Acadiens! Ah, aujourd'hui, oui. À Nicolas et à nous-mêmes. C'est bon, ça? Il était tout dépensé, chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline.